Salut tout le monde, on fait une petite vidéo séance aujourd'hui, ça sera du plat. La carrière a l'air trop géniale, je pense qu'elle a été hercée, ça a l'air cool. Voilà, petit chat, ben il a l'air motivé, un petit peu, mais pas trop. Hein? Ben oui, voilà. Donc là je vais lui faire un petit pincage. Oui, oui, il veut tout un des bonbons. Ah, bah il veut pas me faire de bisous, bah voilà. Un bisou? Voilà, donc on va faire un petit pincage. Et puis après, je vais mettre la caméra, enfin mon téléphone, parce que c'est mon téléphone qui filme. Je vais la mettre, je vais caler mon téléphone pour qu'on puisse nous voir quand je monte. Et voilà. De toute façon, on va faire une petite détente tranquillou parce que faut que j'aille au boulot après. Donc j'ai pas non plus trop le temps de travailler à fond. A few moments later. Ça y est, poney tout prêt. On va à la carrière. Oui. Il est pas du tout motivé. Bon bah la carrière elle a l'air top hein. Franchement. Je pense que ça va être génial. Baby now, let me warm you up. Oh baby please, let me love you much. Baby, baby, don't be cold, I will warm you. Every day I reach out sweet as a high. Baby now, let me warm you up. Baby please, let me love you much. Baby, baby, don't be cold, I will warm you. Every day I reach out to you.
Voilà, voilà, j'ai fini, j'ai monté un quart d'heure, enfin 20 minutes à peu près. Il était plutôt bien. On a eu des difficultés un peu à main droite, niveau de la mise en place et tout ça. Et en fait, je sentais que ça forçait, donc du coup, j'ai arrêté d'essayer de chercher à le mettre en place, etc. Au trot, au pas, je l'ai eu nickel aux deux mains, donc parfait. Et voilà, donc j'ai réussi à le faire engager bien au trot à main gauche. À main droite, il y a un petit peu encore des contractions au niveau de son dos. Donc, du coup, je vais continuer à travailler des assouplissements, etc. Sur les prochaines séances. Et puis, on fera la même chose qu'on a fait à main gauche lorsqu'il sera prêt pour le faire à main droite. Parce que ça sert à rien d'aller lui faire mal. Donc voilà, là je suis en train de le marcher un petit peu. Voilà. Parce que pour le détendre, parce qu'il a quand même bien travaillé. En plus de ça, il a galopé quand même malade parce qu'il ne voulait plus s'arrêter. Donc voilà, je le fais souffler un peu. Il commence à pleuvoir. Mais ça va, tranquille. Le temps, il est quand même super agréable parce qu'il fait pas trop chaud ni trop froid. Il pleuvine, mais voilà, juste histoire de mouiller trois gouttes, quoi. Donc c'est vraiment top. Ah, mon petit chou. Voilà. Donc ouais, j'ai mis aucun dispositif. La cage, j'ai laissé vide comme ça. J'ai travaillé essentiellement sur des cercles pour essayer de venir s'assouplir, etc. dans l'encolure. Donc comme je disais, main gauche au top, main droite, quelques petites difficultés à rencontrer. Mais voilà, ça va se travailler. Puis de toute façon, je l'ai monté que 20 minutes. Donc en 20 minutes, on peut pas faire grand chose à part une grosse détente. Donc voilà, il était génial pour ce que j'ai demandé. On va aller manger ? On va aller manger ? Arrêtez. Oh là. Oh là. Là, j'ai arrêté le poney à la voix. J'adore faire ça, c'est trop bien. Ni besoin de tirer ni rien. Tu lui dis de s'arrêter. Il s'arrête, ce joniole. Mais là, il est fatigué. Je vais aller lui donner. Aïe. Je vais aller lui donner à manger. Voilà. Et puis, c'était cool. Ah, c'était cool, petit chat. C'est cool. Ah, je vais vous montrer l'ensemble que je lui avais mis. C'est l'ensemble de sa propriétaire. Donc, un tapis rouge, hardcore, avec sa selle de la série Fouillou, les étriers Free Jump, que j'aime beaucoup. Je pense que j'achèterai les mêmes pour quand j'aurai ma selle. Et la tête de petit loup avec son joli petit frontal à strass. Fali valou. Fanny, Valou, tu viens ? Tu viens ?
Voilà, on rentre. Bon, là, j'avoue qu'il commence à vraiment pleuvoir quand même. Je suis montée encore une fois pile à temps. On va nourrir le poney. Dans la voiture, il a ses carottes qui l'attendent. Oui, les carottes. Ah oui, je vous ai pas dit parce que du coup, j'ai pas filmé tout le pensage parce que je trouve ça chiant à chaque fois de vous faire regarder du pensage. Je le mets souvent. Du coup, je vous mettrai un petit passage vite fait, mais voilà, d'un plus en plus. Et du coup, je lui avais graissé les pieds. Sauf que j'ai pas pensé au fait que j'allais dans la carrière après. Donc du coup, il a les pieds pleins de sable. Voilà. Mon petit chat. Et on rentre au pré. Franchement, là je vous explique. Je crois il est 11h et quelques. Nous sommes vendredi 14 février, jour de Saint-Valentin. Et en fait, bah, je crois que j'allais travailler. Alors que, en fait, bah, il y a un super beau soleil et que je pourrais rester là au poney, tranquille. Mais non, il fallait travailler. Bah, il n'y a pas envie quand il y a ce soleil. Qu'est-ce que t'en penses, Kronos? Là, je vais vous montrer. Bon, là c'est la route. Et je voulais vous montrer la vue qu'il y a. Parce que elle est vraiment très belle quand même. Regardez. On voit des champs à perte de vue. Très beau. Très très beau. Et là il y a un petit poney couché. Et là il y a une voiture qui arrive. Donc je vais me mettre sur le côté. Bon. Bah heureusement que je me suis mis sur le côté parce qu'il a pas freiné. Oh, t'es trop mignon toi. Tu marches pas. Alors, il y a un truc que je comprends jamais avec Kronos, c'est que à l'aller, pour aller à la pension, il s'arrête toutes les 5 minutes pour brouter. Alors, je laisse pas trop brouter parce que le but c'est qu'on aille travailler. Oulala, je suis en train de vous perdre. Donc, je disais, je laisse pas trop brouter parce que le but c'est quand même qu'on aille travailler. Donc, bah, j'aimerais qu'il mange après. Et sur le chemin du retour, bah, il s'arrête pas. Donc, voilà. Prends pas moi, hein? Pourquoi tu t'arrêtes pas, mon vieux? Il doit avoir marre de me dire purée, mais qu'est-ce que t'es chiante, toi? Ça fait un an bientôt que je te supporte, y'en a marre? Y'en a marre? Oui, du coup, en parlant de ça, ça va faire un an que j'ai Chrono sans DP. Voilà, et du coup, sa propriétaire m'a demandé qu'on fasse une séance tous les trois. Afin de faire un point en fait pour savoir où on en est avec Chronos. Voilà, pour savoir si on a évolué un peu, bah j'espère quand même, parce qu'en tout cas si on n'a pas évolué, ce serait quand même dommage. Mais voilà, donc j'ai trop hâte que ça se passe. Bah, déjà ça me prend l'occasion de l'avoir parce qu'on se voit pas souvent du coup. Du coup on monte pas à cheval en même temps, hein, logique, on n'est pas à deux sur le poney. Et en plus de ça, il y a bientôt un truc à la pension pour faire des jeux pour le carnaval ou je sais pas quoi, en déguisement. Enfin moi je pense pas que je vais monter, je viens pour faire. M'amuser et tout pour voir tout le monde quoi. Mais ça va être cool. Oh t'es déterminée pour aller au pré hein. Tourne, bah t'as oublié de tourner. Bon t'as de la chance pour une fois j'ai un peu de temps. Donc je vais te laisser broutailler. Broutailler. Mais sans que tu me tires la main, ça m'arrangerait fortement. En fait je vous explique pourquoi il broute. En fait il était hyper rapide et il me fait le coup souvent. Hein. Il marche super rapidement arrivé par là. Et en fait la porte du pré est juste là. Mais il a pas voulu tourner. Donc, bah il mange. Voilà. Bon, allez, petit chat. Oui. I'm the champion. My friend. Et on va au pré. On pose la bombe là. Ah. Et on va au pré. Alors, ouverture de la porte. Je sais pas si je vais y arriver, une seule fois. Compliqué là. Ah. Ancrage de poney. Attention. Aïe.
le cadrage n'est pas cadré, hein, étant donné que je suis seule pour filmer. Bon, alors il faut savoir qu'il va faire sa tête de cochon parce que d'habitude j'ai des bonbons pour lui donner et il veut pas que sa copine elle en ait, parce que monsieur c'est monsieur, moi je ouais. Non mais j'ai deux carottes les loulous, une chacun, donc je vais aller les chercher. Oui, je vais aller chercher une carotte. Attends, recule. Allez, on recule. Alors moi, voilà, ils sont là. Je vais aller chercher des carottes, parce que j'aurais promis du coup. Et c'est qu'à force de me dire que j'ai le temps, bah en fait, je vais plus avoir le temps. Parce que... j'en ai marre de moi. Compliqué ma vie. Alors, ouverture de la tuture mobile. Voilà. Mon bordel land. Comme d'hab, hein, vous avez l'habitude de ce bordel de toute façon. Sauf que les carottes ne sont pas là. Sinon, ce serait trop simple. Elles sont dans mon sac. Là, les carottes. Hop. Ah oui, et vous avez vu mon jean? Bah, faut aussi que je me change parce que vous comprenez, je vais peut-être pas aller au boulot en tant que poney. Voilà. Ah bah merde. Du coup, bah, ils sont plus là. Ils sont barrés de la porte et heureusement que je reviens parce que j'avais oublié ma bombe. Ce serait quand même dommage de plus avoir de bombe. Oh, mais il a compris, petit chat. Viens. Mouger le miam miam des carottes. Oui. Le miam miam des carottes. Bah, si tu viens pas, Vélia. Attends, parce que du coup, il va t'embêter. Tiens, Vélia. Bon, je vais lancer le bout par terre, mais ah, si elle l'a vu, c'est bon. Parce que j'ai Morphaland là. Petite bout de carotte. Et le sourire. Oui, oui. Moi comme t'es beau, mon chat. T'es beau. Voilà. Bon, bah, les loulous. À demain peut-être, mais je sais pas si j'aurai le temps de venir te voir, sinon je viendrai dimanche. Oui. Oui, oui, oui. Tu fais. Chronos. Tu fais le bisou. Fais le sourire. Fais le... Mais Chronos, on s'en fout de Vélia. T'es pas obligé de l'embêter là. Et toi, tu fais le sourire. Oui. Tiens, fais le sourire. Bon, bah, ils ont pas envie. Bah, voilà, la vidéo est maintenant terminée. On voit pas les gros loulous avec ma grosse tête. Voilà, j'espère que celle-ci vous aura plu. Tu me fais trop rire. J'espère que celle-ci vous aura plu, voilà. Chronos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai bien aimé la tournée. Je sais pas si je vous mettrai la séance ou je vous ferai peut-être une vidéo en mode vlog avec bébé poney. Pas avec bébé poney, avec petit. Ah, je vous ai encore perdu. Oh. Je ne sais vraiment pas vloguer. Hein. Voilà, je vous ferai peut-être une autre vidéo, vlog ou je sais pas quoi. Enfin bref, je trouverai un titre. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Il y a des vidéos qui arrivent prochainement. Bon, ils sont en train de partir, donc moi je vais faire pareil pour la fin. Il y a des vidéos qui arrivent prochainement. Notamment pour mon plus grand malheur. Non, je rigole. Mais enfin, j'ai pas le choix de le faire de toute façon parce que j'avais décidé de pas le garder entier. Mais voilà, idéal, ça fait castrer jeudi. Donc cette vidéo, vous la verrez sûrement mercredi. Ou pas d'ailleurs, parce que je sais pas, j'en ai quelques-unes à faire de montage. En fait, j'ai plein de vidéos, mais il faut que je fasse le montage. Et à chaque fois, c'est le même problème, c'est que je fais des vidéos. Ah, et ben, il y a pas de montage parce que j'ai pas le temps ou parce que je suis fatiguée. Donc voilà, j'arrive pas à m'organiser. Enfin bref, c'est pas grave, je vais pas vous raconter ma vie. Donc, je disais... cette vidéo, vous la verrez sûrement mercredi. Et le lendemain, idéal, se fait castrer. Je suis hyper stressée, hein, je vais pas vous mentir. Mais du coup, vu qu'il se fait castrer, j'ai des soins à faire pendant une dizaine de jours. Donc ce que je vais faire, c'est que tous les jours... Enfin, je vais essayer parce que je vais être sûrement seule pour faire les soins. Donc ça va déjà être assez galère parce que il faut que je le douche. Mais j'arriverai pas à ouvrir la porte du pré toute seule. Etc. Donc je pense que je vais pas le doucher, je vais prendre des bouteilles d'eau et je vais le mouiller avec ça.
Voilà, donc je vais essayer de vous filmer ça. Donc peut-être que je prendrai mon trépied ou peut-être que je sais pas comment je vais m'organiser. Mais promis, vous aurez des images là-dessus. Pour ça, vivre les soins de la castration et suivre l'évolution, etc. Je vous expliquerai tout ça et je vous expliquerai l'opération. Par contre, je la filmerai pas parce que déjà d'une, bah, je vais me faire censurer par YouTube sûrement. Et deuxièmement, je sais même pas si j'arriverai à tenir debout jusqu'à la fin de l'opération. Hein, parce que moi, je crains toutes ces choses-là. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc voilà, vous aurez plein de vidéos. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne en cliquant sur le petit bouton s'abonner qui est juste en dessous par ici, en dessous, voilà. Ensuite, mettez un gros like, ça me ferait vraiment très plaisir parce que bah, je mets du temps à faire les montages, etc. Même si c'est un plaisir pour moi de partager avec vous ma vie au niveau des chevaux, bah, j'aimerais bien un petit peu des petits likes des fois, ça peut être cool. Et puis partagez cette vidéo si vous avez bien aimé et surtout, bah... ah oui, aussi rejoignez-nous sur notre Instagram, c'est là où je suis plus active de toute façon. Et voilà, moi je vous fais plein de bisous, puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, bye.